Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xel ou JNI. On joue contre Panda Steamer et Kaflip et on a une cote de 4425. Alors, bon, sur cette map, faut faire gaffe au Panda qui peut vraiment faire des choses avec le placement. Bon, là mon Xel il est un peu exposé éventuellement, mais comme je joue en premier, ça devrait aller. Enfin, soit je joue juste avant lui et je peux me replacer, soit je joue juste après et je peux me replacer aussi. Donc, c'est ok. Par contre, la compo, ça risque de tabasser et j'ai peur que ce soit du full dégâts avec un Panda tanky qui stabilise Karcham. Ça, je connais un peu si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pre-tech de Fus Ebène, pre-tech de Fus Ebène. Ok, triple pre-tech Ebène, rien de plus de particulier à signaler. Un Panda qui a l'air d'avoir un mode assez intéressant avec pas mal d'esquives PA. Je regrette ce qu'il y a sur les autres. Ok, des bonnes esquives PA sur les Kaflip et le Panda. Voilà, donc évidemment, hein, ça joue. Bah, on adore, hein. Stabi, ça me pousse à fond. Alors par contre, c'est un peu relou qu'il met stab. Aïe, je peux pas rentrer en stab. Par contre, ce que je peux faire, c'est... Oh putain, on peut pas paradoxe T1. J'aurais pu faire une des synchro, j'ai hésité. Bah, je perds le colis là-dessus. Unlucky. Allez, je suis dans la sauce. J'ai hésité à faire une des synchro à la place du cadran. Je dis je vais faire cadran paradoxe, mais on peut pas paradoxe T1, évidemment. Oh là là, le fail. Non, mais tranquille. Je suis encore en train de redécouvrir le PVP, hein, donc je fais plein d'erreurs, mais je reprends mes habitudes tranquillement. De base, je suis un bon joueur PVP. Voilà, je le précise. En vrai, je vais go sur le panda, parce que je vais jamais pouvoir focus n'importe qui que ce soit d'autre. Hop, on va y aller comme ça. Falloir évidemment full héros. On va faire comme ça. Hop. Ah, je suis hyper déçu pour mon fail T1. Du coup, bah, en plus, mon paradoxe n'est pas placé. S'il me pète le cadran, je suis dans la sauce. Je peux plus le remettre. Là, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire. Ça changeait tout, hein, parce que du coup, il prenait masse retrait. C'est vraiment dramatique. Hein. C'est pas juste un petit fail, hein, c'est vraiment un fail abominable qui détruit complètement mon gameplay. On va voir si j'arrive à m'en remettre. Est-ce que je le préve? En vrai, oui. Hein. Ça me fait un peu de la peine, mais j'ai pas tellement le choix. Bon, je me suis debuff l'héros, j'ai déjà plus les vulnés, on va dire c'est ok, mais... Fallait juste que je fasse des synchro cadran et c'était insane. Hein, mais... Ou même des synchro... même pas. Oui, si, des synchro cadran parce qu'il prenait tout le téléfrag. Je pouvais mettre masse de retrait en stackant mes pétrifs et il prenait ensuite à la fin de tour le retrait du cadran en zone. C'était vraiment très good. Par contre, le mode haut avec le malus de retrait PA, ça me fait un peu bader, j'avouerai. Alors, moi, je vais me faire un Rambo. Oh, quoique. Non, je vais me faire juste ça en fait. Hop. On va mettre un peu de retrait par là-bas. Place mon ébène. Très gentil comme tour, très mignon pour l'instant, mais bon, tranquille. De toute façon, le fail de monter 1 va être compliqué à rattraper. Hein. Ça joue au Batiscaf, il va se full booster, bon les Kaflip va tabasser, le Steamer c'est le seul qui a pas des grosses esquives PA mais le Panda va le porter à chaque tour, je vais jamais pouvoir le toucher. Après là ça joue au Batiscaf des compressions, mais comme je suis parti en érosion sur le Panda, je passe à travers l'héros. Vraiment, je pense que le combat aurait pu être intéressant si j'avais fait monter un correct avec le Xel, mais là le fail que j'ai fait à pas mettre la désynchro sous le cadran est absolument horrible. J'ai peur que ce soit un no match à cause de ça, je vais quand même essayer de le tryhard, mais ça va être compliqué de remonter. Hein. Ça va vraiment être très chaud. Ah oui, c'est sympa ça, le chalutier, c'est marrant. Ok. Bon, écoutez, Lenny va pas pouvoir jouer, il va perdre un tour, ça régale. Je vais y aller sur le panda, hein. J'ai pas trop d'autres options. On va faire comme ça. Tac, tac. Je lui place mon ébène. Je vais remettre un coup d'héros, éventuellement. Je vais rester là en vrai avec lui, je vais rester dans la mêlée.
Comme ça, en plus, je pourrais prendre éventuellement le cadran. Ok, il continue encore à mettre full bouclier sur son panda, il me remet de l'héros. C'est insane, hein, les Ekka qui tapent à distance avec l'érosion, là, c'est quand même des sacrés modes qui ont l'air très intéressants. Bon, moi, pas de chance, hein, je perds un tour avec les nids, bah, c'est vraiment lucky. On va y aller comme ça, hop. Hop, hop. On va à nouveau essayer de faire un sauvetage du Xel. Mais le problème, c'est que j'ai pris tellement d'héros que... Le problème, c'est l'érosion, en fait, hein. Panda quand même qui se fait bien tabasser, hein. 2500 PV max, ils ont un gameplay full rocks et bouclier, mais comme j'ai bien érodé dès le T1, c'est presque correct. On va y aller comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est de la merde. Hein. Absolument pas ce que je voulais faire. C'est un fail absolu. Bon, cela dit, voilà, bon, il y a le cadran qui remet un peu... En fait, je voulais mettre un cadran, mais comme j'ai pas fait pompe paradoxe, encore le même problème, hein, j'avais pas le dallé de relance. Je voulais mettre un cadran en bas, comme ça je protégeais mon Xelor, je mettais le cadran en zone, c'était insane. Mais là, là du coup, c'est dramatique. Il y a l'Eka qui va jouer après. Bon, il a pas pris de retrait, unlucky. Je vais jamais rien pouvoir faire en fait. J'ai plus de flair sur Lugie. De toute façon, je pense que j'ai plus de Xel. Hein. Ah, c'est tellement frustrant. Bon, bah, on va rush. Hein. On va rush. Si je pouvais ne pas mettre une rejouée éventuellement. Tac. Il y avait un brise-lame, unlucky. Unlucky le brise-lame. Il me donne des PM, c'est gentil. Ça me tacle ça, 59 de tacle. Je vais enfin peut-être pouvoir placer mon premier cadran qui va servir à quelque chose, ce serait stylé. Garde espoir évidemment. Hop. On va faire ça comme ça. Il y a la 3 ma pétrif. Hein. Ouais. Je lui place mon ébène, je me régène à l'horloge. Quoi? Ah bah oui, c'est du je tape sur du bouclier. C'est vrai qu'il n'y a pas de vol de vie sur les boucliers. C'est particulier ça. C'est particulier cette décision de faire qu'il n'y a pas de vol de vie sur les boucliers. Je trouve que c'est assez discutable comme choix. Bon, j'ai plus de Xel de toute façon. On va pistage. Panda, il a encore une gangrène, je crois. Hein. Ouais. C'est l'équipe qui va jouer ensuite. Je vais venir me caler ici. Bon bah, rip le Xel, hein, évidemment, retour d'odorat en plus. Après, du coup, il s'isole un peu.
Voilà, j'ai un ennemi en retour d'odorat. À la limite, en fait, je me suis mal placé. C'est pas forcément hyper malin. Bon, on va stimu. Panda, il a des ébènes. Normalement, j'ai pas besoin de m'occuper du panda. Je peux faire... Il faut des PM sur mon Uji. Panda est mort. Hein. Normalement, il a pas d'items chelous qui vont lui faire je sais pas quoi. On va faire tac tac. Quoi? Comment ça il meurt pas? C'est quoi les 480 boucliers là? J'avais 8, hein. Je suis absolument battu. What the fuck? J'avais juste allé faire une flamiche, hein. C'est hyper frustrant. Je sais pas d'où ça sort. Il a un machin qui lui fait des boucliers en... Mais c'est genre... C'est abusé. C'est quoi? C'est il a un sort qui lui fait, je pense, des boubous sur deux tours, mais à quel moment il prend le boubou avant l'ébène? Je ne connaissais pas cette sorcellerie. Je crois que oui, il a un, ça doit être fermentation qui lui fait le bouclier, je pense que c'est ça. Mais c'est abominable en fait. Je pense, genre pour moi, ébène, ça aurait dû taper avant. Enfin, je pensais. Évidemment, les ordres de déclenchement, des trucs comme ça, c'est à savoir. Hein, ça, c'est très important. Mais je vous avouerai que celle-là, je l'avais pas vu venir. Et là, du coup, bah, je vais perdre. Je vais jamais le tuer maintenant. Oh, c'est abominable ce qui se passe, les amis. Alors, heureusement, je crois qu'il a eu un déco en face. Donc, on va dire ça compense, heureusement. Mais c'est absolument dramatique. J'avais juste une flamiche à lui mettre, j'avais les PA. C'est juste horrible en fait. On va y aller comme ça. Un P. Non mais. Un PV et le jeu veut vraiment pas que je le tue en fait. C'est ça le concept. Allez, très bien. C'est abusé. J'avais bien compris qu'il y avait la fermentation, mais pour, enfin, je sais pas pourquoi ça le proc avant l'ébène en fait, c'est pas logique je trouve. Et, bon, de toute façon, quand les colis commencent à mal se passer, si vous voulez, il y a rien qui va, hein, ça j'ai bien compris. Là donc je vais me faire tabasser en boucle. Hein. L'héros qui va être problématique, on va se la permettre des buffs, en espérant qu'on ait une chance de faire quelque chose. Y aller comme ça. Ah là là. Bon, compliqué, hein. T'as puis le 1 PV qui proc sur le panda, c'est vraiment le manque de respect. Enfin bref. Si j'avais juste à flamish le panda, c'était 100% win. Là, je peux encore perdre, en fait. Donc ça peut être un peu technique. J'ai plus de flair. On va faire Arcanin. J'aurais préféré y aller en focus team, hein, mais je m'adapte. Ouf, je tape fort sur les câbles. Il n'a pas beaucoup de res. Est-ce qu'il a pas un item qui lui fait des malus de res, je sais pas quoi. C'est pas impossible. Va falloir que je fasse un gros travail d'apprentissage de tous les modes pour savoir quand est-ce qu'il y a des modes qui sont susceptibles d'avoir des res mêlées, enfin des faiblesses mêlées, des faiblesses distance.
Parce que c'est très important de pouvoir s'adapter à ça, et surtout il faut qu'il le mette. Hein. C'est pas normal que quand on mette le curseur comme ça sur un perso, on puisse voir toutes les stats défensives, sauf les pourcents res mêlée et res distance. S'ils y sont pas, c'est pas parce que c'est du strat de les calculer, non, non, c'est juste qu'ils ont eu la flemme de les mettre. Hein. C'est la seule raison qui fait qu'on les voit pas. Hein. Je réponds à ta question, le panda avait des boucliers, fermentation. Yes. Bon, là il m'a. Putain, du coup j'ai pas suivi. C'est ça de raconter notre vie aussi. Ouais, il m'a hérologie. On va y aller comme ça. Hop, on va restimu évidemment. En vrai, est-ce que je pèterais pas de Batiscaf? Est-ce que ce serait pas un coup de génie de péter le Batiscaf? Alors par contre, si ça me fait claquer les bennes dessus. Merde! J'ai mis ce clic. Je voulais pas du tout faire ça, bon. Abominable. En même temps, on est en train de raconter notre vie, je suis en train de parler français, anglais, espagnol. Si vous voulez, il y a le chat qui me spamme des trucs. C'est un peu technique. De toute façon, c'est le colis où il y a tous les fails. Une fois qu'on commence à faire de la merde, on y va. Hein. D'accord. Bah, c'est sympa ça. Sympa. C'est très très sympa. Je vais jamais le tuer en fait. Putain, c'est abominable. Faire comme ça, hein. Tac, on va prendre notre très bonne mêlée tant qu'à faire. Hop. Et je vais aller là en vrai. Le mec il est en full, il tape ses machins, il met Google Traduction, CTRL-C, CTRL-V et il me les met dans le chat. C'est obvious en fait, c'est évident. C'est évident que c'est ce qui se passe. Bon, je voulais pas me péter mon ébène sur le Batiscaf, j'aurais limite mieux fait de le tuer en fait, je pense, parce que là ça me met un peu au fond. Les cas qui se barrent. Chaton qui va soigner les bâtis, non, c'est bon. En vrai. Normalement. Si je le tue en un coup, ça pète pas mon ébène. Hein. Et voilà, évidemment. C'était sûr en fait. Hop. Est-ce que je mettrais pas un petit coup de soin quand même, histoire de rester en vie. Là, l'ébène est placé sur les cas. Tout ça part d'un problème de que j'ai pas mis ma désynchro T1 parce que je pensais avoir le paradoxe. Hein. Oui, mais coiffe, c'est des bonnets nénuphars mimibiotés. Allez, ça va me refaire encore du brise-lames. Ça va jamais finir en fait. Hein. J'ai compris. Hein. J'ai bien compris. Oh, merci par contre, ça m'est bien. Qui a dit que parce que j'étais un Ojinak, je ne pouvais taper qu'au cac, les amis? Personne n'a dit ça. Eh oui! On va se cacher un peu parce que je prends quand même cher, hein. Je me fais bien tabasser. Je vais l'obliger à s'exposer un peu pour pouvoir m'atteindre. Là, il est en retour d'odorat, je crois. J'ai presque envie d'aller me caler là. Non, il va partir vers le bas si je fais ça. Si je me mets là, il est un peu obligé de se rapprocher de Lenny et je le termine après. Eh oui! Bon, là, par contre, les ébènes, il se fait saucer. Ce combat devrait être terminé depuis 3 tours, hein. Vraiment. Il y a eu full boulette, mais c'est marrant, il est cool en vrai. Le gameplay en fait c'est plutôt sympa je trouve. Et j'ai vraiment envie de me faire un Ekater. Je pense que ma prochaine team que je vais un peu tryhard, ça va être Eni et KFK ou un truc du style. Ça a l'air tellement stylé en vrai. Ça fait beaucoup de boucliers monsieur là. Oh, attendez. Il me tacle. Ah il me tacle, merde. J'avais envie de lâcher mon meilleur foudroiement. Je suis en ébène 2. Non, c'est pas cool.
C'est pas cool. De toute façon, il a, vu les ébènes qu'il a sur le front, lui, il ira pas très loin. Bon, on a un panda 1 PV max, on a un Ekaflip. Ah, le kill libé sur son ami. Unlucky. J'ai très bien écrit Unlucky, vous inquiétez pas. Bon, il est toujours brise-lame, je crois. Hein. Je crois que j'ai pas besoin d'y aller en full héros. On va y aller comme ça. Ouais, c'était rigolo. Bon, il y a eu full merde, hein, mais c'était plutôt cool. On va y aller là-dessus tranquillement. Hop, je suis en ébène 4. Hein. Let's go. Surtout que j'avais cool, en plus au début j'ai vu le panda, je dis allez le panda qui va être en avant, il va me rush, il va me faire mentas, enfin double vulné et me ramener. C'est on connaît l'histoire en fait. J'ai envie de lui lâcher mon meilleur coup de pelle évidemment, hop. Eh oui. Bon, écoutez, c'était un colis épique. Pas mal de petits misplays, mais pas mal de storytelling aussi, et c'était cool. Écoutez, moi j'ai passé un bon moment, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.